Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va fou Ça va très très bien. Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist en historique CSNR Enchantress. Le deck est en train de faire un petit peu parler de lui. Euh, il marche très deck. très bien. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur deck. Je me prononce. Mais ça, ça marche très très bien contre certains euh, decks, que ce soit en tournoi ou sur le ladder. Un peu moins bien contre d'autres. Donc peut-être un deck de positionnement. N'empêche que ce que ça fait, c'est plutôt très très solide. Alors ça euh, a reçu l'entièreté de la méta. Je, te, je le dis juste. Non, non si, plus. Si, si. Ça a reçu pas mal de up euh, avec l'arrivée de Jumpstart Horizon qui est sorti cet été. Euh, parce que à l'intérieur de Jumpstart Horizon, il y avait pas mal de cartes de Modern Horizon 2 qui, eux, sont venus renforcer les archétypes enchantresses pour les formats éternels Et du coup, on nous a donné Bosquet Solide et euh, Citismein des récoltes qui sont venus vraiment stratosphériser la puissance de ce paquet-là. Euh, c'est un deck donc, du coup, qui va jouer beaucoup d'enchantements pour pouvoir justement piocher des cartes avec Citis, tutoriser n'importe quel enchantement avec Bosquet Solide, tuer avec Sigil du Trône Vacant quand vous avez déjà établi euh, une domination de la partie. Vous avez le petit Calyx parce qu'il il, il synergise bien avec les enchantements et vous avez la combo Solennité et 9 vies. Quand vous avez ces compliqué. deux cartes sur le, sur le champ de bataille, vous ne pouvez plus perdre la partie. L'avantage en plus, c'est que 9 vies ayant la défense talismanique ne peut pas être gérée sauf par des anti-enchantements de masse. Donc votre adversaire doit forcément gérer solennité. L'avantage c'est qu'avec l'accès à bosquets solides, eh ben vous pouvez protéger tous vos enchantements. Spoiler, si vous avez deux bosquets solides, eh ben votre adversaire ne peut même plus gérer votre bosquet solide. Ce qui fait que si vous assemblez deux bosquets solides, 9 vies et solennité, ce qui est très facile à faire avec le deck parce que vous piochez beaucoup, vous avez instantanément gagné la partie. Donc vous êtes dans un plan de jeu enchantement qui va largement tenir la partie, piocher beaucoup de cartes. Et quand vous assemblez certaines... Quantité de cartes sur votre champ de bataille Et ben vous avez gagné la partie Et c'est très très fort, genre typiquement moi qui joue Nive misette Je ne peux absolument pas battre ce deck voilà, Il y a des decks contre lesquels si vous n'êtes pas préparé Vous ne pouvez pas le battre Donc, donc ça perd contre tous les autres decks agro Donc c'est pas le meilleur deck du format A voir, moi bon, euh, j'ai la théorie Mais euh, attention quoi. Mais c'est euh, un deck intéressant qu'on a envie de vous présenter Déjà parce qu'il est nouveau, parce qu'il est récréatif Et, euh, et, et parce, parce qu'on peut en faire jouer Calyx Et parce qu'on peut en faire une raison c'est la princesse. On, on aimerait bien un jour montrer que Calix c'est pas juste nul à chier. Et ben c'est bon. Mais on l'a déjà. Euh, on a déjà ah, joué. Oui, on oui. a déjà joué Calyx, pas oui, mal de si fois. Si. C'est pas nul à chier en fait. Ça dépend du contexte et ça dépend de la viabilité des enchantements. Est-ce que tu dirais que ça dépend de la méta Ça dépend de la méta, Et on a une présence d'enchantresse qui est une carte qui me tient particulièrement à cœur parce que du bloc Carnage qui est un bloc de mon enfance. Carnage. une ouais. Très très belle carte de Rebecca. Gay ouais. Dédicace à Mister Jack. Pas son plus beau dessin. Ça dit. Moi j'aime bien euh, le côté un peu euh, je dirais aquarelle, je sais pas trop comment le dire, de Rebecca Gay, donc euh, mm. tout, tout me plaît plutôt bien. On a Tisseuse du Sanctuaire qui est une nouvelle carte de Modern Horizon 2 qui va permettre de générer beaucoup de mana, Avresol Loup qui permet de nous accélérer et qui est aussi un enchantement, Fileuse de la Destinée qui devient un kill en late game et qui bah, nous permet de rendre nos enchantements incontrables. Euh, et donc, si bah, tisse et Tisseuse sont des enchantements donc du coup elles sont incontrables pour le coup. Euh, oui, puis en plus c'est aussi les sorts de créatures, on a fin déconcertante pour gérer un petit peu euh, la pression en début de partie des decks agressifs, lumière de bannissement pour gérer un petit peu tout, et puis euh, après euh, classiquement dans le side, les repos en paix pour gérer le cimetière, les arcontes de la grâce contre les jeux un petit peu agressifs, des colères de dieu, bah, parce que le format, voilà, on sait que le match-up défavorable de ce deck là, bah, c'est des mono manes, des IZ Phoenix, des euh, euh, Célestinaires humains, des decks qui vont très très vite quoi. Et ben, on a besoin de Colère de Dieu pour essayer de dépoussiérer tout ça. Une fileuse de plus contre les jeux contrôle. A noter que c'est plus souvent un kill que vraiment une carte qui nous permet d'empêcher de, d'avoir des cartes qui sont rentrées. Vraiment 4 mana j'anime un terrain qui est 11-11, ça fait gagner, quoi, littéralement. Intervention de Gideon, ben, vous savez qu'il y a des cartes qui peuvent disrupter votre plan de jeu. Je pense notamment à Cleansing Nova qui peut être dans les sites de certains decks niv pour s'adapter. et ben, Une fois que vous avez votre combo en place, vous voulez la protéger. Et intervention de Gideon sur Cleansing Nova, ça vous assure la victoire, typiquement. Vous pouvez faire aussi Intervention de Gideon sur les cartes spécifiques d'un deck combo comme Créativité par exemple. Donc vraiment très très bonne carte Intervention de Gideon. L'Inlet de Vertu contre les decks burn ou contre les decks qui vont chercher à interagir directement avec votre personne. Et Elspeth conquiert la Death. de discard moi aussi. De quoi Les effets de discard. Aussi, de discard les ouais. Et j'ai dit Elspeth conquiert la Death. Non c'est Elspeth Conquiert Death ou Elspeth Conquiert la Mort euh, qui est une très bonne carte dans les match -up un peu mid-range dans les match contrôle. Ça vient donner un petit peu plus de, de value euh, au deck. Oui. On y part Ah, c'est parti. En Mirror, tu rentres euh, ECD Ouais, je pense. Ouais, parce que ça attrape euh, Solemnity, pour le coup. Et c'est un deck qui devient de plus en plus populaire sur le ladder. Moi, je l'ai rencontré pas mal de fois. Doom, d'ailleurs, ma dégringolade de rang, parce que niv je trouve ça très très bien. Sauf que, bah, je rencontre des matchups ingagnables, des fois. Et il faut arrêter de jouer, hein. Bah, tu donc... les laisses passer Non, il faut, il faut enlever Giganta pour avoir accès à Cleansing Nova dans le side. Donc, du coup, tu perds un compagnon. Tu peux faire les efforts pour battre ce deck-là, mais si oh, ça oui. te... Comment Dire si ça te fait rogner sur tous tes autres match-up, ouais, c'est pas ouf. je pense quoi. l'IQ, les gens vont pas jouer en champ presse, quoi, mm. ou pas, pas trop, je pense. Dommage, assez ah, rend dommage, ouais. toujours équipe, moi, parce qu'il y avait un land dessus Non, ok, c'est l'urus pour enlever lumière, garder juste fin des concertantes. Il veux garder le plan combo ou le ouais. vie si tu te dis que tu as besoin de gérer et que tu pas le temps. Non, je pense que le plan combo il est important. Ok. Il en tape. Ça a l'air gentil, vu comme ça, là, vu la main, tu sais. Ah bah, je topdeck Solimity, j'ai gagné T4. Donc. Euh... C'est pour ça que je dis ça a l'air. Pas... Ça ne l'est pas. C'est pas si gentil. Pas de C'est un, un 2-3, donc il prend push, mais il prend pas les Il prend pas les effets choc, donc c'est plutôt très bien. Et ça doit jouer. Ah, ok. Je sais pas exactement. Ça joue Grixis Arcaniste. Rix... arcaniste. Es arcaniste. Intéressant. Je voudrais que ce serait Orzovora. Allez ah ça, ça. ça ça dégage. Aura avec une crime de sang. Non quand on a vu Lurus. Ah bah il y a plein plein de decks Lurus tu peux jouer 4C tempo tu peux jouer effectivement Aura, tu peux jouer moi j'ai rencontré pas mal de euh, Azorius Aura sur le ladder pour le coup oui c'est ouais, mais, mais Azorius aussi. Bah, est le deck le plus populaire mais mmh. je trouve qu'Azorius s'intègre bien dans le format actuel euh, Azorius va être mieux contre les jeux contrôle et orzov va être mieux contre les jeux créatures Donc, ouais. voilà euh, à vous de cibler un peu ce que vous voulez battre. Peut avoir fini concertantes. Ouais, c'est pas mal de garder aussi des enchantements quand on aura des effets pioche. Ouais, juste sur les concertantes, alors. Je pense aussi, ouais. Il est déjà très bas en PV. Ah, bah je sais ce qu'il joue. Grixis, donc du coup, je sais pas si t'as remarqué, il s'est pingé à chaque fois. Il doit jouer ah, au nombre de Scados. la Mort, un ouais. Shadow. ouais. Qui marche plutôt bien aussi comme, euh, comme deck. J'aurais vu le token, moi. Pour faire quoi J'aime pas les tokens. Ah, d'accord. C'est pas propre sur le board. Vous dépoussiérer tout ça, quoi. Bon, là il faut juste tenir jusqu'à... C'est bizarre qu'il ait pas pris deux points là Il, des shadows, ouais. il l a des Il l'a pas. Il faut tenir jusqu'à solennité, c'est plus facile quand t'as des piocheurs. Mm. Pas de chance, on les a pas. Ça a l'air stylé, Grixis le russe. Ouais. Grixus quoi. Ouais, il peut jouer shadows, une euh, itération. 1 pour 1. S'il a des shadows. Ouais mais après elle grossit donc... Euh... Bon, S'il si la, il va la jouer. Hein. Oui. Je pense. Le CCM fin déconcertante ou la force Je sais plus. mis. Ça, c'est mon ouais. SM Piège en foi. Ok. Il et... faut que ça soit 3 au moins. Une valeur de mana. Ils ont déjà fait la correction in-game. Mm. Est-ce qu'ils jouent Grixis Phoenix Ça n'existe pas, mais les gens font ce qu'ils veulent. Je me demande si un jour je dirais valeur de mana. Je crois que je vais dire CCM pendant vraiment très longtemps. ta vie, vie, je pense. Oh merde. Sigil. Bon, c'est pas très grave. En fait si t'avais mis euh, un Havre seul au préalable on aurait pu casser Sigil mais du coup t'avais un enchantement de moins donc ah ouais. pas non, plus. non non mais je, je comprends le blé. Mais je crois qu'on va quand même casser Havre pour ton prochain non Bon je crois pas hein. fout de ça non On va pas ça rentrer des moins, points hein. là Là tu le rentres euh... Tu fais quoi ça fait un 2-2 c'est ça Et il sera engagé quand tu vas l'animer Il sera 3-3 mais il sera engagé Ah il se dégage pas non. Ouais donc c'est pas très bien Ok bon bah ok ouais, tiens on va s'ouvrir Sigil sur une plaine je pense Alors, si t'as ni Citis, ni, ni Enchantress, c'est quand même un peu, euh, un peu chiant, quoi. Ouais. On a regardé la main, là, qui avait des... un peu de gestion, du coup. Euh, c'est ok, mais quand, mais quand tu vois l'Urus, es... c'est important. Ah, Après, parce que sinon, tu gères t es t es pas sa bête tour deux, t'es mort, quoi. Non, on a un peu rien fait, quoi. Si c'est euh, Aura. Genre ça. Si c'est ça Spécifiquement ça, ouais. Pas bien. Il y, a, il y a un peu de texture sur ça mais euh, il, mouline, hein. il mouline fort quoi genre il a rien il a ni Sprite dragon ni euh, canaliseuse il a gardé une main nulle bah, je t'en prie, bah, bah c'est factuel c'est très honnête de ta part de dire ça mais peut-être trop bah il fait rien oui ouais, mais je moi, vois il bien qu'il ne fait rien fait tu vois rien, bien mais... qu'il rien du tout putain il fait deux dégâts là sur euh, oh. six dégâts sur ta bite ouais ah bah spoiler, on s'en cague. Petit sigile, mais un petit land au cas où, là il a un land coquin. Au cas où qu'il ait une ouais, force spike. Ouais, ouais. Et non, il n'y en a pas dans le format. Défense déconcertée, ça peut être une force spike pour moi. Défense concertée Ah mais il faut, la, faut pas la... Déconcertée, il faut la... Le poorly, ouais mais ça met quand même euh, force spike euh, au préalable. Ah, exact. Ah, okay. Donc attention, à... attention les petits potes. Hein. J'y crois pas du tout. Trois couleurs de dieu. Bah ben non, on pas jouer des colères de ah, dieu. Tu peux ou quoi je Oui, le russe, ça prend l'espèce espèce de conquardesse. Oui, c'est la seule bête. Attends, c'est pas facile de sider, ne, ne me dis pas de bêtises, s'il te plaît. Est-ce que Fileuse, c'est pas de la merde Pourquoi c'est de la merde Fileuse Je prends un petit bête et il contre pas. Après ça, il y contre, tu penses bon, Il doit avoir une petite quantité de contre, après c'est pas ce nous fait le plus peur entre nous. Moi euh... ouais, j'en ai encore une Fileuse. Si ouais. t'as besoin de tout le reste. Je peux enlever toutes les fileuses. Je sais pas si on veut pas des Linley. je pense qu'il doit avoir 8 discards d'après side entre Kozilek et Césit. C'est vrai que rentrer deux Linley c'est pas déconnant. Ça me, ça me débecterait pas, tu vois. Et euh, qu'est-ce qu'on peut virer Tu peux qu'être un peu dans la combo, mais... C'est chiant quoi. Ça on a beaucoup d'accélération, je pense qu'une accélération créature, on peut s'en passer. Ouais, J'enlèverais plutôt un Havre, que tisseuse, non Bah non, parce qu'il joue des anti bêtes Ah oui ouais. Donc tu préfères une accélération non, plus rapide, je non, pense. Ouais. Je resterai comme ça. Peut-être que Calix c'est très mauvais aussi, cela dit. Hein. Je qu'on n'a pas pensé, mais Drop 4 là, je crois que c'est. peux en enlever euh, je deux je et. Je crois que c'est pas fou. Pour rentrer une une fileuse, une tisseuse. De gestion Lumière, plutôt. Peut-être <coughs> de gestion juste. Hein. Tant que tu gères tu, tu vis et c'est bon quoi. Ouais. En fait quand il a des Death Shadow qui sont très stress, t'as intérêt à avoir une gestion quoi. Ouais je partirais comme ça là. 13-13. Elles sont genre 10-10, 11-11 quand il se met très bas en PV. Parce que si elles sont 13-13, c'est qu'il est mort, je crois. Donc, euh, c'est pas possible. ouais Il peut. Euh, non. Bah, il peut, ce sous certaines ça. conditions, mais. Oh, très très bien. C'est dommage de ne pas avoir de l'inlay. Mais... On s'en contentera. Ouais, comme on en a que deux, on n'aura pas mouligan dedans. Quoi. À la limite, ouais. quand tu rentres 4 l'inlay après ça, et tu peux mouligan pour l'avoir. Porte 6. On aurait été très content d'avoir une Linley parce que là notre elle devient euh, donc, is... merdique quoi. Citys salut Salut. Il peut, -10. il peut enlever Bosquet Solide de perdre la combo. Comprends le, je comprends le play, il a plein danti bêtes donc il s'en fout un peu de Citys je pense. Ouais. Dans Bosquet Solide c'est vraiment fort, ça donne l'un seul à tout ton board, as compris, et ça va chercher n'importe quel enchantement. Mmh. C'est juste insane. J'adore cette carte d'ailleurs qui était dans le 7 apocalypse. Qui me plaît beaucoup je sais pas si on va pas juste havre ouais je suis allé te dire je crois que havre c'est plus sympa Là il fait rien et city euh, c'est un peu lui de à bah, et CITIS, là tu lui donnes dans il... là. s'il la gère que sur antibète garder Cities pour euh, la trigger une fois ouais c'est pense que c'est bien c'est correct banque correct ouais, tour. ça va les manas tranquille il y en a 23 hein. c'est pas énorme pour un deck 23 ans jardin passe hein. C'est combien C'est 5 mana pour faire un loup Ouais, 5 mana pour faire un 2-2. C'est genre on vraiment les a. Euh, pas très bien. On là. les a, Val. Voilà. Ah, on les a, mais c'est vraiment nul, quoi, putain. Ouais, oh, je peux y faire y un loup y y tous les tours. On a de la chance parce qu'encore une fois, il nous met vraiment zéro pressure. Hein. Mm. Alors, bah, en late game, on est mieux que lui. Donc, euh, Canalise, moins, sprite dragon et tout, euh, ça nous mettrait déjà très très mal ici. Ok, on a Solennité qui arrive petit à petit. On peut faire City Solenne. Ouais. Ouais vas-y, tu pioches ta petite carte parce que là sinon... On n'est pas pressé mais... c'est bien de voir ça. Si j'ai compte ça me va quoi, pas de problème. Ouais. On a pioché notre carte à façon, Parce que c'est au cast. Il va nous faire quoi Spell pierce. Ça a l'air bien contre nous, Spell pierce. Genre, c'est pas trop mal. Ouais, c'est dès que tu castes, c'est vraiment fort, Racistis. Même en duel commander, les, les listes, je les trouve très, très sweet. Wow, il a gardé Mystical Dispute ah contre oui. nous, mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il a gardé Dispute Je sais pas. Tant j'en perds ma voix. Je comprends pas trop l'intérêt d'avoir des disputes contre nous. Bah, si ce n'est euh, d'avoir un contre à 3 mana, mais c'est nul à chier dans son Je pense qu'il n'a pas de, de <coughs> Mais alors elle est partie où ma voix Il n'y a plus de voix. Rendez la voix à Pelle s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites mmh. Il n'y a plus de travaux mais il n'y a plus de voix. Je pense qu'en fait il a pas vraiment de... Enfin pas beaucoup de contre en side. Et du coup il les rentre juste, histoire de quoi. On va dire ce passage de merde. On garde, garde l'info, voilà. tu as toutes tes couleurs Oui c'est vrai. Optimise. Optimise l'information. Oh. blague ou quoi On a... Ça fait 4 tours qu'on pêche des lampes. Écoute jardin, lumière de bannissement sur un sol loup passe. Ah ça ouais, raison, bien En réponse, tu prenais deux manas. Ah bah oui. Bon, fallait pas faut pas manas ah bah non plus quand même. Attends. Optimise. Je veux dire. OK, mais il joue des créatures, euh... on a vu une créature en gamune Non, même pas. Et le russe hein Voilà, purement ancien. Arcaniste. Ah, arcaniste, on l'a vu, lui on l'a vu. Je me souviens. jeune ne purement ancien aussi. Un okay. peu Après... Du coup, je peux révéler maintenant euh, ce que j'avais pas dit dans la dernière vidéo. J'ai l'information que je détenais que je n'ai pas pu... Tu sais faire. que les gens dans les commentaires étaient fous. Ouais. C'est qu'en fait, euh, on jouait Celestien. Du coup, si ça se passait mal, c'était pas anodin. Ils vont le réanimer. Je, je, me, je me doute, mais ça m'emmerde. Non, il y avait un blanc, je me suis dit peut-être que tu étais en train de te dire, mais qu'est-ce qui se ben passe Non, non il joue a... l'urus, j'ai bien compris, mais ça me, me fait chier. Ah, je pensais quoi. même au spell à deux. Et il le réanime et il lui donne la... Ouais fame, il peut aussi ouais. Voilà, je pense qu'il prend les russes en main. Oh bah si tu veux, coucou hein. Regarde. On a que ça des terrains. C'est fou quand on joue pas à Magic comme c'est nul quoi. Ah ouais. Encore land tu pars. Ok. C'est pas très bien, hein. mais comme il va nous faire point. une saisie, j'ai mais non, mais en fait, si je la garde dans la main, il me fait saisie. Il fait si saisie. Si euh, si je la mets sur le board il fait pousser fatal Alors si jamais il veut trouver des trucs parce qu'il a rien en main, il va peut-être faire scruter. Non, il va tuer City soit whatever Non mais si tu la joues pas. Tu penses qu'il va ah tu penses qu'il va scruter mmh. devant saisie. Là il y a un monde aussi où tu joues pleine fin de tour instant et, euh, et il croit que t'as rien. Faut être bon, t'es prêt à faire fin de tour ouais, Vas-y. Ouais ouais. Il y a un monde où il se dit, euh, du coup, ah, euh, je sais bon. pas, c'est dit, bon il a que dalle. C'est effectivement le bon play. Yes. Bien joué. Avec le fin de tour sur-entrée, c'était le, bon <laughs> <Et merde. rire> le bon play. il trouve que c'est dit, et il la joue à la main. Eh, merde Merde Non, mais c'était le bon play. Passage oui. merveilleux. Il a pris le nourrisson de main. Euh, ouais. Il est beau, ce mari, d'ailleurs. Lequel le Zandika Celui-ci, ouais. J'aime bien les couleurs. Cool, il est pas mal. Là, il est très canaliseuse. Nice et là, on le prank. Bah, là, on peut partir un peu en, en folie, là. C'est plaisir. Ah, mais tu a La linceul, celle-là, tu vois. Là, ils ont tous le linceul, t'as vu C'est trop bien, en fait. Encore Avec un mec qui est foutu. Fin de tour, je peux aussi bosquer solide sur un bosquet solide, histoire juste de retrigger. Oui. C'est beau, hein. À ton tour, plutôt. Pas qu'il interagisse. Ah, bah non, pas à mon tour, parce que ça le met au-dessus du paquet. Ah, c'est pas dans la main Ah, non. Ah, bah, fin de tour. Après. Ah, du coup, fin de tour. Ok. Bah là on est en train de gagner, c'est bon. Piano. Tranquillou. Oh, comment la trix Mec j'adore ce genre de play. on oh, la bellatrix. Ah bah. La le, batterie, euh, dit ok, il avait que le, main, le, stop, que le Stop game, c'est cool. Hein. Ah il a rien mis au dessus, rien mis en dessous. Tout dans le cimetière. C'est une force de magicien. Ah non est marre, elle les, les poche tout dans le chapeau. Par contre, genre... Euh, il a deux bêtes quoi, vraiment. Un truc de fou. Je sais même pas s'il joue en fait, je pense qu'il joue pas des Shadow. bah peut-être pas. Hein. Juste Grixis, euh, genre euh, quoi, tempo, bah ouais, Gruxus, quoi, que le Que c'est fort. Ça, genre là, il a le sum quand même de pas pouvoir la gérer. Genre là, il est déjà ah, Il a une carte en main qu'on connaît pas. Peut-être qu'on sacrifie pas vos du coup, aussi, ouais, non, on va pas le faire. On peut piocher autre chose qu'un land de toute façon et tout notre deck proc. N'importe quoi autre qu'un land. Il n'y a, a que Archonte qui nous fait pas de draw 2. Mais bon, Archonte c'est ok aussi. Ah, c'est une bonne carte. On pioche ça va. Est-ce qu'il est. Que il, est euh... il veut la transformer en ah, 3 ouais. Parce que s'il la transforme pas, on bloque ou, ou pas C'est risqué. Il a il un a... Peu de spell, Il quoi. a pas le truc qui se joue du cimetière là qui fait plus 2 plus 0 Claim fame. Ouais. ouais. mais c'est pas en, en rituel. C'est un rituel Ouais. J'allais dire si jamais il le, il le discarde, c'est en réponse C'est un vous... rituel tu donnes plus de plus 2, de... plus 0 de célérité en rituel. Okay. Il est à 3, il lui manque quoi en fait On va voir ce qu'il lui manque. Il lui manque une créature, ça sous-entend qu'il lui faut forcément... Sur... Ah mais sur un spell de discard, il tue notre city, c'est ça. Voilà, c'est ça. On est à 22. On okay. est bah, à 22, franchement, on prend les deux. Hein. Non mais je me disais. Euh... Tu vois, vu ouais. que c'est une créature, c'est difficile à mettre au cimetière euh, pour le coup. En fait, n'importe quel spell le permet de surveiller. Du coup, s'il trouve une bête au-dessus, ouais. c'était bon. Lurus, il rejoue rien. Il n'y a rien à rejouer. 3-2. On est prêt. Quoique, je... non, je tente pas. Je tente pas. Ok, ah, parfait. Mais ça. Flex. Allez, Lurus. Là, va le, partir. Le, en fait. le deck, quand il est parti, par contre, il est inarrêtable, quoi. Ouf. Tous ces manas. Ça, on ah oui, oui, oui. All the mana. Après c'est qu'on exile, on tue pas, donc en fait peu importe ce qu'on enlève. Peut-être que Arcaniste est encore mieux. Je, je pense que là globalement. Mais putain, mais merde ça. On n'a même pas de quoi te trigger quoi. Trois landes sur six cartes. Ah ça ça m'énerve un peu tu vois. Un peu je, dois, je dois le dire quand okay, même. Je, je dois le concéder part. ça me casse un petit peu les couilles tu vois. Si je puis m'exprimer. Non un mais vas-y. Euh... Voilà. Je Mettre balle euh... euh... sur son siège alléché. <laughs> je je vous le dis ça me il nous note à peu près ce langage. Ça me casse les couilles. Les couilles sont serrées, quoi. Excusez-moi. Et c'est pas mon caleçon qui fait 3, ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Euh, plus combien de landes on a défaussé ouais, 13 landes on a trouvé. Il y a combien de landes en tout 24 23. 23. C'est pas mal, hein Ouais, c'est <laughs> pas mal. Surtout qu'on les a trouvés avant de commencer à piocher. Ah, mais de toute façon, mes couilles sont pas brisées pour un truc. Ah euh... eh oui, oui, non. faut que ce soit important, impactant, même. bien sûr. Mais allez, joue tes cartes là, c'est bon. Est trop mauvais Allez là, je m'en fous, je m'en fous. Vite. En plus, je me suis fait tellement démolir par ceux-là que j'ai envie de démolir des gens, tu vois. C'est un peu le eh symptôme oui. du mec qui est bully, qui qui bully après quoi. D'ailleurs, t'as toutes les cartes de la combo là. Aucune, non. aucune. Mais c'est pas grave. En Et vrai, Il a, le a, contre on a contre une. une. Ouais. Il t'a fait euh, dispute sur, euh, sur unity. Ah oui, c'est vrai. Solennity. Une... Ça aura un peu servi à rien de toute façon. Quand bah... même, euh, sur toutes les cartes de ta combo, en as trouvé une en, 30... en 23. Après je peux toujours euh, sacrifier mon boss qui est solide hein. Putain sur 23 cartes t'as trouvé 13 land quand même, quel enfer. Et là il va voir qu'on a encore deux lands, il va faire eh ben, super Super En vrai on peut peut-être perdre cette game si on top deck encore un land. Hein. Ah bah si tu trouves que des landes, on va <laughs> on la, perdre, <laughs> non, mais, euh... on la perdre, Mais dès que quoi. tu trouves pas un land, ça va. Je prends toujours pas le risque. Ouais. Je crois que si tu peux maintenant. On y va, parce qu'au pire, sur Trigger, trigger que tu, tu vas créer que... un, un ange et tout, ouais. Tu vas en rechercher un hein, pour Trigger. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je fais quoi Je vais chercher un bosquet solide, d'ailleurs. Non, oh, ouais. Ah ouais. Il commence à nous mettre fort. 7 hein. points, mais... Enfin, on va créer des anges à la larigot à un moment donné. Hein. Ah bah ça Si Dieu veut. Hein. Donc, ah, on là, dit... il la gère euh, moins bien, cette tisse, maintenant. Il n'y a plus de mana noire. Je regarde, hein. Jamais... Bon, meilleur truc parce que je peux du aussi du... prendre ça et là c'est <laughs> <laughs> ouais mais Boski, ça te fait un trigger de sur oui. et ça te permet de retrigger c'est le playstation mais on pouvait faire des dunks tu vois on peut faire des dunks ouais. allez un ange salut et on pioche deux cartes deux landes elle enchante deux landes ok oh, deux landes parfait mais putain mais <laughs> c'est bien mais je vois que des multiples de cartes qu'on a déjà joué donne nous ah la combo c'est pas grave regarde là tu reproches deux, tu vas lui exiler son dragon forfadé son arcaniste oui non mais là il va concéder de toute façon ça, il dégage il va s'arrêter mais c'est euh... complètement horrible c'est oui. vous êtes le roi <laughs> yes. ah, je vais faire un post facebook c'est bon <laughs> je... je vais leur dire Alors, comment non, est, le les connards d'Arena, hein <laughs> avec votre choppler là putain ah. on connaît. c'est bien on prend le risque de relancer une game là ou oui ah ben oui oui oui, oui, oui. oui ok si si oui ah mince c'est Célestinien, moi, plus c'est court, plus c'est bon. Ouais, mais là, on va faire une belle game, On va faire une belle, belle on game. On va faire parce une, que déjà, belle là, game. Déjà une belle, game. Ouais, fait. mais là, on va faire une belle game. Et une belle, belle game. Ouais. Tu veux me la jouer, Tiens, rien. Vas-y, joue la game. Euh... T'en penses quoi de ce jeu-là Je sais que ça te plaît, Célestinien. Franchement, j'aime bien, ouais. Je pioche des cartes. En fait, moi, les, les couleurs qui font des trucs cool, comme piocher des cartes, alors que ce n'est pas leur couleur, ouais, c'est la folie. ça fait plaisir. Mais casse-toi le clavier par contre. On va jouer en premier. Si, 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 capable, si ce deck-là il est capable de survivre à aggro, c'est un vrai deck du format. Il y a, il y a vraiment ouais, un truc à creuser quoi. Elle oh, est pas mal cette main. L'épave. Franchement oh, elle, bien, garde, hein. elle, est... elle est bien. Elle est bien Elle est bien. Ouais si ce deck-là il est capable de survivre à un deck très agressif, c'est un vrai bon deck quoi. Et eh ben on va voir tout de suite. Eh ben c'est parti, puisqu'on en est là. Bah bon, tu peux avoir tranquillou. Hein. Ouais. Si tu trouves euh, Solennité, euh, tu vas gagner tour 4. Ah, c'était mieux de le faire sur euh, ça, je crois. Mmh, ouais, ça te permet de. C'était un peu plus euh, open dans les. C'est bon, c'est pas... pas très grave, quoi. Alors, en plus, lui, voilà, il est, il est pas là pour. Ah, oui, il joue, Boros. Euh... Oh, il joue euh, Boros Spellcraft. Bah, là, tu vois, lui, il va te bourrer, mais fort, fort, fort. Donc, c'est très bonne nouvelle de, de voir ça. Euh... 9 vie, c'est dangereux, là. Ouais, moi, je mettrais plutôt Lumière de bannissement. Ouais, je crois qu'on va gérer. Je peux la jouer, ouais. Donc, je fais s'engager. Et après tu feras bosquet solide, fin de tour je vais chercher Solemnity, 9 vie Solemnity Ciao. Oh. Et il va plus ça. Bah mendek, je pense pas. Après oh. ça il faudra rajouter des trucs euh, sympas mais... Ouh oh, le, le... petit chat Pipucci Eh hey, bon Smashcraft ça doit être pas mal aussi hein, mm. en historique. Ça va aller l'Inde, salut. salut Bosquet, on ira tuto et on peut faire... C'est un seul mana en solidité ouais. ouais, donc ton prochain je fais les deux et c'est oui, c'est oui. C'est pas trop dur en Magic. Hein. <laughs> non, mais des fois c'est dur en Magic. Hein. Ah, des fois, mais, euh, mais là, ça va. Ça fait quoi Ça nous empêche de faire des trucs Ça, non, on s'en fout. C'est juste même deck d'ailleurs. Ah, il a dû affronter euh, un certain match-up. Fou le Pour Poros, là. Mm. N'oublie pas, fin de compte, d'aller chercher Solennité. Et il se dit putain, j'espère je, qu'il je, pas je, la je, je vois pas euh, Mendek comment il peut battre ça, mais peut-être que j'ignore peut un truc qui, euh, qui lui permettrait de battre ça, Mendek, cela dit. Ça paye bien, c'est bon. Ouais. En fait, faut il faut qu'il ait une gestion à solennité, quoi. Il n'y a pas d'ordre de... pour les jouer d'ailleurs. Non. Ah ouais. Oh, Magic, ça euh, va, ça Magic. Va, hein. Hein. Ça passe. Hein. Des fois, c'est dur, des fois, ça va. Ouais valine c'est bien pas si c'est pas mal ouais. Alors, une piste, du coup là c'est pas bien est-ce qu'on a besoin de non je crois pas je crois que colère de dieu lui il prend pas le bord en tout cas il fait pas des bords larges franchement il, il, il a une joue craft, un méga que... ah ouais c'est plus ça moi ouais, je pense parce qu'en si en fait il joue euh, le mage qui donne plus en plus, en plus en, quand tu lui dis spells en fait s'il joue Mashcraft il a forcément besoin d'avoir une grosse quantité de sorts dans son deck et donc du coup peu de créatures donc, entre ouais, 8 okay. et 16 je dirais donc je suis pas trop fan de colère de dieu je pense que calix pareil Ouais, c'est trop long quand lui Pas son game, quoi. Ça, c'est en one-off, j'aime bien, moi. Ouais, j'aime bien aussi. Je vais pour la mosquée. combo. Euh... Et ensuite, ça, ça fait rien contre lui. Hein. Okay. deux. Et voilà. Ah, si t'enlèves, si t'enlèves. Si euh... Enfin, Phileus, ça fait tellement rien du tout. Ça Non, ça, non, non, la Phileus de la destinée, ça fait tellement rien que je mettrais euh, peut-être une colère de dieu backup ou une intervention de Gideon pour la tutoriser. Parce qu'après ça, il y va avoir de quoi euh, ah ouais. euh, interagir avec ta combo, je pense. Ah, bah peut-être ouais. j'en mets deux alors. En fait je connais pas son deck, c'est ça le problème. Ah, bien, Genre niv une... misette, t'en veux deux parce que tu sais qu'il faut dire Miles Trumples, euh, le Cleansing Nova. Euh... Ouais. Ouais, c'est bien comme ça. Ok. S'il est aussi molasse qu'en game 1, tu devrais pas avoir trop de mal. Le pav. Sera-t-il aussi molasse C'est la question. C'est dommage, t'as la combo en vrai. Ah non, t'avais mm -hmm. pas la combo, j'ai dit la merde. Bon ouais, mm -hmm. elle est bien cette main. Hein. On voir contre, je pense. Par contre, donc Solennité. Non, plutôt par Ah, contre, parce que si on je voilà. pense que t'as besoin de Turbo Win. Ouais, à mon avis. Un peu là. Je fais tisseuse tour 2. Il passe des spells dessus. Ouh. Ça va. Tu fais tisseuse. Tu commences très très bien. vais m'accélérer, j'ai pas de land, donc. Euh... C'est peut-être plus important d'avoir Havre pour être sûr de Solennité le tour d'après, non Pense Je pense. Surtout pour avoir présence de l'enchantresse qui commencera à débloquer ta situation. Ouais, c'est vrai que ça me débloque ça. Et ça rentabilise plus mes autres enchantes là. Ça, c'est pas sûr de me faire accélérer. Non. Bah, ouais, ça me faisait pas accélérer du tout. Ah, ouais, lui il est. Ah, oui, il y va. Hein. Ouais, ok. Ouais, ouais. Présence passe. Il est et vraiment méchant. Il m'a charné. C'est pas possible. Trois cartes en main. Du coup, 3 foot, ça fait 9 points. Ça, c'est le piste. Oh putain, ça, ça c'est de long poulies, ah, là, Il est en fraise. Dommage qu'il n'ait pas ça. Pas tant mieux pour nous. Dommage pour lui. Ok, Noice. Euh, je, peux... je vais jouer ça là. Ouais, moi, je ferai tisseuse bosquet. Attends. Est-ce que t'es capable. T'as 6 mana le tour d'après Non, faudra attendre un tour de plus. Ouais euh, tu fais Tisseuse ouais. bosquet alors. Je, Je crois que non. Ah non tu fais tissose bosquet et à tu t'as gagné. Et à l'upkeep tu vas chercher euh, ah ouais ton truc. Bah ça donne combien de mana Ça en donne plein ça. ça 3. Ça, ça. Oh, eh ouais. Donc tu fais tisseuse bosquet, à tu t'as gagné. Fort Ouais fort ouais. Franchement c'est peut-être plus fort que Faut ça. Que pas tisseuse, hein. Ah ouais. Bon c'est pas grave, t'en fous, au pire, bosquet c'est pas une mauvaise ouais. carte quoi. C'est peut-être meilleur que ce à quoi je m'attends euh, ce deck-là. Hein. Si ça bat aussi les jeux à gros c'est peut-être un vrai deck euh, en Enchantress. J'ai dit que c'est le meilleur deck, hein, donc que je suis aucunement surpris. Mais je <laughs> suis presque surpris que tu sois surpris. Tu <laughs> le, le bon call. Putain. Bah, il gère sa merde là-bas. Là. Ouais. Je sais pas. Ou tu préfères gérer un Lurus Il a quoi au cimetière Il a pas de bête. Fais gaffe qu'il a aussi il ses landes ouf. et tout. Hein. Ouais, je crois que j'en ai vu juste Vortex pour éviter de. Ouais, vas-y, bah, vas-y. Encore oui, tu PPL. fais tisseuse et t'as encore le play à l'upkeep pour gagner. Hum. Bon, ah, là voilà, sais de quoi gérer tisseuse. Ouais. Là tu fais land, tisseuse. Là, euh, tu euh, tisseuse, tisseuse, du Et upkeep, tu gagnes euh, en sacrifiant ton, ton boss qui est solide. 1, 2, 3. Pas, tu gagnes. Si tu gagnes s'il a pas de gestion. 4, 5. Ça, ça, ça fait un milliard de mana. Hein. Ah oui, oui, je gagne si il gère pas tisseuse. Ouais, ouais si il gère pas tisseuse. Bon, bah. Tu peux bloquer là. Hein. Bon, bah, GG. Upkeep Up qui peut le plus, up qui peut le moins. Up qui peut. Ce qui était rigolo avec Tisseuse et la Fileuse, c'est que oui. moi, quand Mizette, il misait, il avait ajouté 12 mana dans sa poule, oh. et du coup, il pouvait activer euh, trois fois la capacité de la, de la Fileuse, ouais. qui m'attaquait du coup trois fois avec des 12-12. Et oh. je suis là en mode, putain, mais c'est ingrindable, quoi. Oh, oh. ah, C'était un enfer. Ouais, 4, 5, 6, ouais, je peux même jouer aussi 6 avant. Parce que là, je pense pas qu'il va la conserver. Mais oh, tu te permets de lui chier dessus, quoi. Tu peux ah bah, oui. jouer ton rêve <laughs> sans visage si tu veux en tant qu'on y, est. Il y a pas de... ah, je me dis, si jamais il a de quoi gérer, <laughs> parce qu'on a plus oh, le boss qui est solide. Mais qu'est-ce qui coup, se coup, passe euh... avec Celestia en ce moment C'est le meilleur bicolorité du jeu ou quoi Je l'ai toujours dit, moi. <laughs> non, j'ai jamais <laughs> dit de ma vie. <laughs> Le call le col insane de début, euh, début de. Et vous savez euh, quoi Là, les gens, dans les commentaires, je oublié, vous connais, oublié. Oublié. vous allez dire Oh, la game de trop non, 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 On l'a pas vu. Mais il y a des decks, on vous l'a récemment on ne peut pas faire de game de trop. Non, ben bah non. Bah on ne peut pas. Mais c'est pas qu'on veut pas, c'est que ça n'arriverait pas. Là, on pourrait faire une vidéo de 7 heures. On se retrouverait à tourner jusqu'à ce soir, c'est pas possible. Pas, il y aurait une game de trop parce qu'on est fatigué, on loup pas. Parce qu'on joue mal, On est en train de se faire à bouffer là. On pose pas les lampes, On fait tomber les spaghettis sur le La il dort en time out, tu vois. Voilà. Mais sinon, c'est pas possible. une Enchantress, c'est quand même de loin le meilleur des un truc qu'il ne faut jamais faire. Je suis en train de remettre en question mes choix de deck mais pour le MIQ. Comment ça, je ne jamais fait <laughs> bah, Il faut tu jamais le, le faire. Tout le mais moi, je le fais tout le temps. Mais ah il oui, il ne faut non. jamais le faire. J'ai cru que tu ne faisais jamais. Si, si. Non, euh... mais moi, je connais la théorie, mais j'adore l'invalider parce que je suis un con. Non, mais on, on a ça en commun. Le côté, euh, putain, là, si je change maintenant, je suis une ex-level. <laughs> ouais. Et on s'en rend compte après que c'était pas mais bon. Ça existe d'être before level, j'ai l'impression d'être souvent, moi. <laughs> en fait, on n'est pas level. C'est ouais, le problème. Est... On est toujours l'un ou l'autre. Putain de merde, c'est vrai que c'était impressionnant là. Après, on a rencontré des decks un peu bizarres. Genre, franchement, Boros Spells, ça existe pas, tu vois. Ouais, mais bon, si on prenait nive meset dans le casse en deux, si on prenait humain on le casse en deux, si ça, bat, humain et il faudrait faire des séries. Ça bat humain. Moi, je crois pas, mais ça bat humain tous les jours. je crois que ça va pas humain. Quel jour on est Dimanche. Non, on est lundi. On est lundi. Eh ben, le lundi, ça bat humain. Le lundi ça Et les jours d'avant, les jours d'après, ça, le ça le bat aussi. On va tester ça, ça vous savez quoi merde. On va tester ça, on vous dira ça plus tard. Euh, si c'était bien. Partagez au moment parce que ça à la fin de la vidéo. Si ça va là, là dans la description, Twitter, Facebook, Discord. Et surtout n'oubliez pas, c'était la belle, la belle magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.